essor. Dans leur langue imagée, les Indiens appelèrent cette région le royaume de l'eau qui sort, Saguenay. Auréolé de rivières, le bassin du lac Saint-Jean constitue le plus grand réservoir du monde. Dans cette contrée immense, connue depuis 4 siècles, l'homme blanc devait en 100 ans se bâtir un royaume à sa taille. En l'an 1600, Pierre Chauvin construit à Tadoussac la première maison canadienne, mais on n'alla pas plus loin. Domaine du roi, réservé pour la traite des pelleteries, le Saguenay demeure un pays fermé, n'accueillant que les traiteurs et les missionnaires. C'est un missionnaire, le père Jean de Caen, qui découvre le lac Saint-Jean en allant secourir des Indiens malades. L'épopée apostolique des Jésuites et plus tard des prêtres séculiers devait durer 3 siècles. Suivit une époque héroïque, la colonisation. Un jour, la Société des 21 obtint un contrat pour couper 60 000 billots de pain. Et dans les clairières neuves, les bûcherons se firent colons. C'était en 1838. 4 ans après, ils étaient 3 000. Le curé Hébert mène d'autres équipes à l'assaut de la vallée du lac Saint-Jean. 3 siècles après la venue de Jacques Cartier, les portes du royaume du Saguenay étaient définitivement ouvertes. Plus tard, la vie simple des agriculteurs du Saguenay inspirait le roman de Maria Chapdelaine. À Péribonka, un modeste musée garde le souvenir de l'héroïne du célèbre roman de Louis Aymon. Les ressources naturelles abondantes sont la première richesse du Saguenay. L'exploitation du bois, qui est à l'origine même du Saguenay colonisé, demeure une des industries majeures de la région. La forêt donne à l'homme sa maison, sa ville, et silencieusement se renouvelle. L'exploitation rationnelle des concessions forestières est établie et contrôlée par des services gouvernementaux afin d'assurer l'équilibre entre la coupe et le reboisement. Pour des années à venir, les bois du Saguenay seront toujours grands. Sur les berges des rivières gelées, les billots s'entassent. Tout l'hiver, les hommes et leurs machines animeront le silence de la forêt. À la fonte des neiges, la rivière, gonflée d'une force nouvelle, charrie le bois vers les scieries. Bûcheron succède un personnage de légende, le draveur. La machine a pu rendre son travail plus efficace, mais le draveur d'aujourd'hui est de la même trempe que les ancêtres dont il aime se rappeler les exploits. Il sait encore danser sur les billes flottantes, dompter les rapides. Il dynamite les embâcles. Dans une échancrure, la rivière s'apaise, la course est finie.
Le bois, tiré de l'eau par une chaîne sans fin, sera scié immédiatement et séchera de longs mois au soleil avant d'être livré à l'industrie de la construction. Les grandes étendues de conifères fournissent chaque année 9 millions de pieds, mesure de planche, de bois de sciage. Du bûcheron au menuisier, la forêt fait vivre plusieurs milliers d'hommes, alimente nombre d'industries progressives. La forêt saguenéenne fournit de plus chaque année environ 1 million de cordes de bois de pulpe pour la fabrication du papier. Là encore, l'eau joue un rôle de première importance comme moyen de transport. Livrée au courant des rivières, dont le niveau est contrôlé par des barrages, glissant dans les dalles longues souvent de plusieurs milles, les billots dévalent jusqu'aux usines. L'industrie du papier a été le premier mouvement d'industrialisation au Saguenay et demeure un secteur vital de son économie. Séduits par les richesses naturelles de la région, des hommes d'action, dont le souvenir se perpétue, fondèrent successivement 8 papeteries importantes. L'entreprise était d'envergure. Près des nouvelles usines, des villes s'édifièrent. Ainsi naquit Dolbeau, sur les bords de la rivière Mistassini. À la même époque, l'énorme usine de Riverbend ouvrait ses portes et le village de Saint-Joseph-d'Alma devenait une ville importante et un centre commercial. Bagotville doit son développement et Port-Alfred sa naissance à l'industrie du bois. Mais en plus de son usine, Port-Alfred se classe au troisième rang parmi les ports canadiens. Riche en forêts et en cours d'eau, le royaume du Saguenay contribue puissamment à faire du Canada le grand producteur mondial de papier journal. La première papeterie fut établie à Kenogami et elle est encore la plus importante. L'activité qui en a résulté a provoqué un mouvement de prospérité qui s'est étendu à toute la région. La ville sœur, Jonquière, connaît en même temps un développement à un rythme accéléré phénoménal. Son poste de télévision, le premier du Saguenay, dessert une population de 250 000 personnes. Ce développement actuel témoigne de l'importance de l'industrie du papier qui en a été l'origine. Le Saguenay, plutôt fleuve que rivière, coule dans une succession de fjords majestueux. C'est la grande artère économique de la région. Les navires qui descendent son cours transportent les produits variés des nombreuses industries. Ceux qui leur montent apportent la bauxite de la Guyane anglaise. Tant que l'hiver n'a pas bloqué la navigation, l'activité est intense sur les quais de Port-Alfred. Accessible aux océaniques et possédant un énorme potentiel d'énergie hydroélectrique, la région était l'endroit idéal pour recevoir l'industrie de l'aluminium. Sur les rivières les plus tumultueuses, les barrages et les centrales hydroélectriques développent en tout plus de 3 millions de chevaux vapeurs. Cette force incroyable, déjà au service des industries existantes, pourra encore être accrue au bénéfice de nouvelles entreprises. Les deux centrales de Chibcha fournissent à l'industrie de l'aluminium assez d'électricité pour alimenter à elles seules toute la ville de Montréal. Malgré tout, un Saguenayen enthousiaste ne craint pas d'affirmer qu'il reste encore suffisamment de potentiel pour tout simplement faire virer l'univers. Une usine longue d'un mille et demi. Dans la ville d'Arvida se trouve la plus grande aluminerie du monde. La bauxite,
venu de Port-Alfred par chemin de fer, contient un oxyde métallique, l'alumine. Des procédés électrolytiques en font ce métal blanc, léger, qu'ici on coule en lingots, l'aluminium. L'aluminium est aujourd'hui universellement employé. À lui seul, le Canada fournit près du quart de la production mondiale. L'usine d'Arvida y est sûrement pour quelque chose. Sa production quotidienne pouvant atteindre 2 millions de livres d'aluminium en lingots, soit plus de 600 millions de livres par année. Fort, léger, malléable, l'aluminium est docile. On le presse en feuilles minces comme du papier. On l'étire sans fin au laminoir. La liste des usages de l'aluminium peut s'allonger indéfiniment. Il est dans toutes les cuisines et probablement, messieurs, dans vos poches. Devenu fil, il conduit l'électricité qu'il a créée. À l'état pur ou en alliage, il est partout, au bureau, à la maison, dans les avions et les sous-marins. Un jour, peut-être, il ira dans la Lune. Il existe au monde un pont d'aluminium, un seul. C'est évidemment celui d'Arvida. La cité de l'aluminium ne connaît pas la grisaille de trop de villes industrielles. Elle est jeune, jolie, impeccable. Elle aime les arbres et les fleurs. En plus de ses forêts et de ses ressources hydroélectriques, à côté de ses grandes industries et de ses centres urbains, le Saguenay possède une autre richesse, la terre. L'agriculture est venue normalement, après la première étape de la colonisation. L'exploitation agricole est à base de cultures mixtes et d'industries laitières. Les produits laitiers, et principalement les fromages du lac Saint-Jean, sont renommés. Comme toutes les autres industries, l'agriculture porte la marque d'une région en plein essor économique. Elle est moderne dans son outillage et son organisation. Les pépinières du gouvernement provincial s'emploient à reboiser la forêt pour les générations futures. Dans les larges étendues couvertes de broussailles est né un drôle de dicton. Trois pour une tarte, tant sont plantureux les célèbres bleuets du lac Saint-Jean. Cadeau de la nature, les bleuets sont devenus une industrie saisonnière qui apporte dans la région plus d'1,5 million de dollars par année. En été, la manne bleue recouvre les savanes. La ramasser est l'affaire de toute la famille. Quand la cueillette de la journée est rassemblée, les bleuets sont passés au crible sur le champ pour les séparer des petites feuilles et des brindilles. Les professionnels de la cueillette campent dans la plaine tant que dure la récolte. Ils vivent dans des remorques, des chalets ou sous la tente. Bientôt,
un camion fera sa tournée et transportera les caissettes au centre d'expédition. C'est à Dolbeau que les petits fruits bleus prennent le train. Leur qualité fait l'objet d'une surveillance constante de la part des inspecteurs du gouvernement provincial. Les bleuets, frais ou congelés, sont dirigés sur les marchés canadiens et américains. Vous vous souvenez des trois bleuets pour une tarte? Eh bien, c'est faux. Confidentiellement, il en faut six. Le sanctuaire du lac Bouchette, loin des sifflets d'usines et du bruit des cités, se présente comme une oasis de prière et de recueillement. Lieu de rassemblement des foules pieuses, le sanctuaire fut d'abord dédié à Saint-Antoine de Padoue. Mais, près d'un rocher rappelant celui de Massabielle, se trouvait une grotte, surprenante réplique naturelle de celle de Lourdes. Le pieux fondateur, l'abbé Delamarre, y plaça une statue de la Madone. Unissant dans une même dévotion Saint-Antoine et la Vierge de Lourdes, les pèlerins viennent nombreux au sanctuaire du lac Bouchette, dont les pères capucins sont aujourd'hui les gardiens. Sainte-Anne de Chicoutimi est un autre lieu de pèlerinage. Chaque année, de grandioses cérémonies religieuses s'y déroulent en l'honneur de Sainte-Anne, patronne du Saguenay. Près de Dolbeau, à Mistassini, se dresse le monastère des Pères Trappistes. Les religieux s'adonnent à l'élevage et à l'agriculture. Ils ont participé dès le début au progrès de l'industrie agricole dans la région. Devant l'étendue considérable des terres et parfois le manque de main-d'œuvre, on a recours à la mécanisation. Ils sont loin les temps héroïques des premiers défricheurs, livrés à eux-mêmes et isolés les uns des autres. L'agriculteur, guidé dans son travail par les conseils et la collaboration des agronomes, est aujourd'hui un industriel à son compte. Il ne suit pas le progrès, il l'accompagne. Le Saguenay compte près de 5000 fermes. Un mouvement coopératif intense a permis au secteur agricole de s'intégrer à l'industrialisation progressive de la région. Par lui, le système de production et de distribution des produits du sol s'est adapté aux besoins grandissants des marchés urbains. Ce domaine agricole bien organisé est à juste titre le grenier de la province de Québec. Robert Val, qui vient d'avoir 100 ans, est le centre commercial et administratif de cette région agricole. Situé sur les bords du lac Saint-Jean, Robert Val est aussi une base d'aviation qui relie aux centres habités le nord du Saguenay. L'avion s'est avéré indispensable dans le développement minier de Chibougamau. La route et le chemin de fer desservent aujourd'hui la nouvelle ville minière, mais elle doit ses débuts au pont aérien. Venant de Chibougamau, l'avion assure la liaison avec Saint-Félicien. Comme beaucoup d'autres, la ville de Saint-Félicien est construite près d'une rivière, car privée de route, les premiers colons s'établissaient de préférence près des voies naturelles de communication. Ici, une rivière au nom sonore, la Chamanchouane, est navigable sur une cinquantaine de milles. Pour naviguer sur les rivières et les lacs, Saint-Félicien construit des canaux. Il en a enligné celui-là des pinces de canaux.
des petits 14 pieds pour les prospecteurs et pour les balades au clair de lune, jusqu'au gros canot carré de l'arrière qui peut transporter tout un campement. Le canot de cèdre, recouvert de toile, est très léger. Du canot d'écorce indien, il a gardé deux qualités, la souplesse et le silence. Dans la pièce d'eau du petit parc en face de l'église, des enfants, semble-t-il, ont oublié leurs jouets. Mais les jouets s'animent. Un petit truc et beaucoup de travail pour la joie étonnée des jeunes de tout âge. Toute la région du Saguenay est riche en gibier et en poissons. Les amateurs ont vraiment l'embarras du choix. Au pont de Val-Jalbert, en fin d'après-midi, c'est la pêche en complet veston. Le plus beau poisson qu'on puisse prendre dans la région s'appelle wananish, c'est-à-dire saumon petit. La wananish est un saumon qui vit en eau douce. C'est bon hors de l'eau. Sa ruse et sa vaillance lui ont valu la réputation du poisson le plus combatif des eaux intérieures. On le trouve presque exclusivement dans le lac Saint-Jean et dans certaines des rivières qui s'y déversent. Si un amateur de pêche parle avec enthousiasme du royaume du Saguenay, il y a sûrement une wananish dans son récit. Ou bien une truite. Ici, on pêche la truite mouchetée. L'espèce en est commune, mais ce qui est moins commun, c'est la taille impressionnante qu'atteignent les truites mouchetées de certains lacs du Nord. La saison de la pêche tire à sa fin, mais la chasse n'est pas encore ouverte. L'orignal est maître dans son domaine. Les hommes qui lancent une mouche au bout d'une petite ficelle sont d'une race qu'il ne craint pas. Avant de quitter le camp, il faut s'assurer que chacun peut reprendre le front haut, le chemin des villes. Quand on vient de Québec, le chemin des villes et de toute la région du lac Saint-Jean, c'est le boulevard Talbot qui traverse le parc provincial des Laurentides. La barrière franchie, Chicoutimi n'est pas loin. Chicoutimi, la métropole du Saguenay. Chicoutimi,
et fier de son histoire. Ici sont passés les découvreurs, les missionnaires, les bâtisseurs de pays. Sise à la tête de la rivière Saguenay, Chicoutimi est une ville commerciale et administrative. Sur les coteaux s'étagent les quartiers résidentiels. Fondée en 1842, Chicoutimi doit son expansion première à l'industrie du bois. La route et le chemin de fer en firent le centre de distribution des produits de la région. Chicoutimi est doté de nombreuses institutions d'enseignement. Le séminaire donne le cours classique et forme les futurs prêtres. L'école moyenne d'agriculture prépare les jeunes ruraux à continuer dans la belle tradition de leurs ancêtres, la possession du sol. Métropole de la région et ville épiscopale, Chicoutimi est de plus le centre médical du Saguenay. L'Hôtel Dieu, qui est hôpital universitaire, compte parmi les plus importants du Canada. Le vaste édifice moderne, construit sur un plateau, à vue sur la rivière. C'est à Chicoutimi que les navires s'arrêtent et font demi-tour. En langage indien, Chicoutimi veut dire « là où finit l'eau profonde ». Redescendant le cours de l'eau profonde, le paquebot fluvial retrouvera à Tadoussac les eaux plus grises du Saint-Laurent. L'excursion est l'une des plus belles qui soit. Ici, un village entre deux montagnes. Plus loin, la statue de la Vierge domine l'immuable géant dressé sur l'infini, le Cap Éternité. À mesure qu'elle approche de son estuaire, la merveilleuse artère du Saguenay va en se rétrécissant et sa profondeur diminue. Sa mission est terminée. Elle a baigné les villages blottis au creux des montagnes. Elle a donné sa force aux turbines, monté la bauxite, descendu l'aluminium et le bois. Elle a conduit les visiteurs épris de sa beauté. Jusqu'au Saint-Laurent, elle a servi son royaume. À la rencontre des eaux, historique point de départ de l'épopée saguenéenne, Tadoussac. Endroit de villégiature, réputé pour ses hôtels, son soleil et son site incomparable, Tadoussac s'inscrit dans les toutes premières pages de l'histoire canadienne. C'est la porte de ce Saguenay merveilleux, de ce royaume du Saguenay, dont les habitants peuvent dire fièrement, en un siècle, notre labeur a fait un pays.